Yahoo Bidi Bancha! Donc aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo critique tome 1 100% avec des titres qui sont des isekai. Donc si la suite t'intéresse, continue. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des isekai, c'est quand on passe dans un autre monde. Comme par exemple, quand tu es un personnage normal, tu te fais écraser par une bibliothèque, tu meurs et tu es réincarné dans un monde souvent fantastique avec des démons, des monstres, des créatures fantastiques, etc. Bref, on va parler donc d'Isekai et on va commencer avec Nob New World Aventure. Euh, je te mets l'image là, les infos à côté de moi. Tout ça a été lu, en, enfin, tous les Isekai que tu verras dans cette vidéo ont été lus en format numérique. Donc, pour Nob New World Adventure, honnêtement, j'avais peur quand j'ai vu, en fait, un petit peu le résumé et le concept du titre, qu'on soit un petit peu, voire très très proche de euh, Mushoku Tensei. Pourquoi Parce qu'on était avec un personnage qui serait incarné tout petit, tout jeune, un truc dans la noblesse. Bon, l'autre, ils sont pas... Ils sont, je crois qu'ils sont juste aisés, mais enfin, ils ont quand même une femme de ménage, enfin, une femme de ménage esclave, enfin, tu vois, une boniche, on va dire ça comme ça, euh, quand même, donc euh, ils ont quand même de l'argent et autres. Donc, j'avais peur en fait que ça soit assez similaire et que euh, aussi, j'avais peur de tomber sur un personnage assez pervers comme dans mon Shogodense. Alors que pas du tout. Déjà, on suit les aventures d'un garçon, certes d'un homme qui s'est réincarné dans le corps d'un petit garçon. Il va apprendre de lui-même la magie, etc. Parce qu'on lui dit qu'en fait, il a pas l'âge, il est trop jeune. Donc, il va commencer à s'entraîner tout seul. Puis, en fait, quand il a l'âge, bah, il s'est tellement entraîné. Et en plus, on lui a donné euh, des pouvoirs un peu plus boostés que la norme. C'est encore le cliché du personnage cheaté de ouf. Mais ce que j'ai aimé, c'était que euh, malgré tout. En fait, notre personnage clé va devoir, à partir d'un certain âge, on va le voir grandir dans le même volume, et il va suivre des cours avec une magicienne et une elfe, si je ne dis pas de bêtises. Non, enfin, pas magicienne, enfin, est une... elle est avec une épée et l'autre, donc, elle fait de la magie et elle a des grandes oreilles, donc j'ai supposé que c'était un elfe. Toujours est-il, euh, ce que j'ai aimé, c'est que à un moment donné, vu la tenue d'une, j'ai cru qu'on allait tomber dans le cliché du... des senichi à foison, comme dans mon Shugotensei, justement. Et pas du tout, parce que le personnage est très respectueux. Il ne, à aucun moment, on nous parle, on a une phrase mal placée par rapport au personnage féminin, etc. Donc, j'ai trouvé ça très agréable et très, euh, on va dire, presque rafraîchissant. Parce que dans un sens, euh, le nombre d'Isekai, en fait, où il y a du, du itchy à foison, du fan service, si tu veux, à foison, et que euh, on parle, euh, on parle, mal entre parenthèses de féminine, c'est quelque chose que, dont je ne supporte plus. Et donc de voir que c'était absolument et donc de voir que ce n'était absolument pas le cas dans ce manga m'a vraiment énormément plu. J'ai vraiment adoré ce que j'ai lu dans ce premier volume. J'ai vraiment accroché malgré le fait que ce soit un manga des éditions Komiko et tu sais j'ai tendance à me méfier des éditions Komiko et leur titre, J'ai très clairement envie de lire cette série et donc de me l'acheter plus tard. Alors quand je dis plus tard c'est que tout simplement je sais que pour octobre euh, le... alors. Je sais pas quand je vais vraiment poster cette vidéo, mais disons que octobre 2022, je sais très bien que je n'aurai pas le temps de présenter un bilan lecture de cette série, donc je vais attendre éventuellement octobre 2023. Oui, 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 as bien entendu, et ça laissera largement le temps à la série d'avancer, parce qu'en France, je crois. Au moment où je filme, qu'on n'est que sur le tome 4, donc je me dis que ça peut être éventuellement très intéressant, justement d'attendre qu'on ait beaucoup plus de volume de sortie plutôt que euh, m'y intéresser maintenant, alors qu'on ne sait pas ce que l'avenir va nous réserver. Hein. Parce que très clairement, c'est chez les éditions Comico, où on a un auteur qui a abandonné sa série en cours de route. Je dis ça, j'ai rien. Mais bon, donc voilà en ce qui concerne les grands lignes pour ce manga, j'achète oui et euh, enfin, est-ce que j'ai aimé du coup le premier volume Oui, est-ce que j'achète la suite La réponse est oui aussi. Je te retrouve donc pour ce passage avec deux autres isekai. On va d'abord parler de légendes vivantes, euh, donc des éditions delcourt Tonkam. Je crois qu'on a eu. Enfin, euh, je te mets là une, toutes les informations sur le nom de Tom, le genre, etc. Parce que je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Ensuite, les aventures au départ, si je ne dis pas de bêtises, au niveau du nombre de personnes, de trois personnes qui partent euh, faire une mission. Et en fait, il y en a un. Celui qu'on voit sur la couverture qui euh, va se lancer dans une grotte pour attaquer un, un monstre. Et en fait, il va se retrouver dans une espèce de bulle temporelle. Et il va passer des années et des années et des années et des années à se battre contre ce, cette créature. Et il va en finir, en sortir bien entendu plus puissant, plus puissant que jamais, etc. Mais malheureusement, en fait, pendant toutes ces années où il est resté enfermé dans cette bulle à essayer de tuer ce monstre, ses amis et tous les gens autour, de sa famille, etc., pensaient du coup qu'il en était mort. Et donc, en fait, ils ont carrément créé une statue en son honneur, etc., parce qu'il y a laissé sa vie pour essayer de tuer un monstre et autres. Et on va donc euh, du coup. Le voir, euh, c'est assez intéressant, je trouve, comme titre, parce que dans Les Gendres Vivantes, le garçon principal, j'ai perdu son nom, bien entendu, parce que là, je dois t'avouer, ça fait plus d'un mois que je l'ai lu, mais le garçon principal, euh, ben, bah, tout le monde pense qu'il est mort. Donc, quand il se repointe après son combat en disant « Hey, je m'appelle machin », les gens disent bah, « Ben non, tu peux pas t'appeler machin, parce que machin, ils, ils ont fait une statue de lui et tout, il est mort, nanana, il, y a plus de, de, il y a tant d'années et autres ». Et il n'a pas pris une ride. Et donc, c'est ça qui est plutôt sympa. C'est de voir, en fait, euh, d'être quelqu'un, d'avoir tué, du coup, un grand monstre et tout ça. Et ne pas pouvoir le dire parce qu'en fait, tu es censé déjà être mort. Et donc, c'est refaire sa vie, etc. Donc, j'ai trouvé l'histoire très sympa. J'ai vraiment adoré. J'ai eu un giga coup de cœur pour ce premier volume. Franchement, j'ai vraiment aimé d'amour. Et je suis vraiment très contente de m'y être intéressée parce que, je, en, honnêtement... Euh, les isekais je commence un petit peu à saturer je pense que je l'ai peut-être dit dans la partie d'avant où je parlais donc de noble aventure mais c'est vrai que les isekais je commence un peu à saturer parce que c'est souvent assez répétitif très très euh, cliché très pareil en fait je trouve qu'il n'y a, euh, a pas grand chose qui les différencie mais là le fait que le personnage est censé être mort il était déjà un bon combattant mais pas non plus surpuissant euh, là, il devient plus puissant, mais il ne peut pas le montrer, donc euh, voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Bon, c'est sûr que le personnage ultra, chique, cheaté, euh, ultra cheaté, qui ne peut pas le dire, qui est obligé de faire croire qu'il est faible, ça c'est déjà vu. Mais le fait qu'il voilà, soit mort, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément plu et j'ai vraiment aimé. Bref, est-ce que j'achète ou pas la série La réponse est oui. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à l'acheter, euh, d'acheter la suite, etc. Mais j'ai vraiment trop trop aimé. Ensuite, on va parler d'un autre titre des éditions, Delcourt Tonkam, qui est réincarné dans un autre monde. On suit les aventures d'un jeune homme qui est réincarné donc dans un monde, donc Issekai. Et en fait, dans ce truc, il va donc pouvoir euh, d'abord dresser des monstres, et ça va être bien entendu des slimes, hein, c'est l'animal le plus basique. Sauf que là aussi, le gars est ultra cheaté, et, euh, donc des pouvoirs de ouf. Il lance un petit... De base, il pensait lancer un petit sort, il va carrément euh, tuer tous les animaux dans une forêt, tout va bien. Et il va de... il va essayer donc, de se pointer dans un village et du coup, il est obligé de faire croire qu'il n'est pas trop fort, etc. Là aussi, ça fait quand même trois semaines que je l'ai lu, donc euh, mon résumé, il est peut-être un petit peu bancal, mais regarde les pages que je t'aurais mis à côté de moi, ça devrait peut-être t'aider. Bref, toujours est-il, ce titre-là, par contre, j'ai été énormément déçu. J'ai trouvé plutôt banal, assez déjà vu. Euh, j'ai rien trouvé en fait de très intéressant dans ce titre. Je, voilà, je n'ai rien trouvé d'intéressant. J'ai rien trouvé qui m'a captivé et euh, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc, personnellement, ce titre-là, est-ce que je continue ou pas l'aventure La réponse est non. Je n'irai pas plus loin. Et au passage, si tu as vu du coup les pages juste sur cette partie-là. C'est tout simplement que j'ai lu tous ces titres en format numérique pour éviter du coup de me faire avoir et d'acheter éventuellement des titres qui pourraient très bien me déplaire dès le premier volume. La preuve pour celui-ci.